Bienvenue dans l'accord des accords sur télévision Pacifique. Jeudi, nous avons regardé la situation du conseil électoral là. Et nous allons regarder surtout, est-ce que le contexte social et politique actuel là, idéal pour choisir membres permanents du conseil électoral là. Pour réfléchir sur ça, nous avons avec nous plus jeune député qui est dans la 50e législature, là, député Franz Lothur, qui est député dans la 50e législature, là, c'est bien ça. Et puis nous avons avec nous M. Edouard Paul, qui est coordonnateur et conseil haïtien acteur non étatique, au CONAN, qui est surtout qui est dans la société civile. Là. Député Lothur, merci parce que vous êtes avec nous. Merci, c'est moi pour monsieur. Je suis content de l'invitation de que nous participions à une très bonne émission. Monsieur Poutre, bienvenue, merci un peu. Oui, merci pour l'invitation, tout, monsieur Henry, et merci pour la possibilité que nous avons pour nous partager le panel ça avec les députés Lothur. C'est un plaisir pour nous rencontrer avec les jeudi. Oui. Pour nous commencer, regardez, est-ce que même conseil électoral là, il y a une force pour tracer le destin du pays. On commence avec les députés Lothur. Qui appellent des élus là-bas, mais appellent, mais qui sont élus. Bon, on parlait du conseil électoral permanent. Le conseil électoral permanent est constitutionnel, donc pas qu'il y ait un débat sur lui. Maintenant, la question. Est-ce que membre qui est dans le conseil électoral est capable de casser le destin pays? Ça dépend. Ça dépend. Et certaines fois, nous voulons adresser le problème. Conseil électoral, comme si c'était une fin. Mais en réalité, c'est un moyen pour adresser un autre problème qui c'est stabilisation des institutions démocratiques dans le pays. Ça, nous-mêmes, nous voulons adresser comme une fin. Maintenant, c'est là notre plus grand problème. Donc, moi-même, je pense que pour avoir un conseil électoral qui est capable de concourir à sa WAPDIA, il faudra que c'est un conseil électoral qui joigne adhésion, sympathie, je suis capable même de dire qui résulte d'un gros dialogue national, côté que petit pays, ils sont ensemble, ils arrêtent ensemble des perspectives et ils engagent ensemble pour mener le pays. Non, tu vois? Donc, je pense que. Et comme on dit, il y a des contextes où on réalise une élection en Haïti, où tu mets un conseil avec neuf Jésus de Nazareth, et le résultat est capable de toujours contester. C'est-à-dire que c'est tout un système qui est en question, ce n'est pas les neuf membres, ce n'est pas la dénomination, conseil électoral provisoire, permanent, non, ce n'est pas ça la question. C'est un système. Dans lequel nous sommes en train de réaliser des élections, et ça détermine le processus-là, ça détermine les résultats, la stabilité politique, etc. etc. Monsieur Poutre, vous avez toujours réagi sur l'approche des députés, mais c'est la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que membre du conseil électoral est capable de gagner force dans le tracé de ce pays? Vous avez toujours réagi sur l'approche des députés Lothur, là. C'est toujours la même approche des députés Lothur. Et moi-même, l'un de l'histoire récente dans la société humaine, que ce soit en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'élection vient un passage obligé. Et, pour garantir stabilité dans le pays en Amérique latine et dans les Caraïbes là, et Amérique centrale, etc. Ce qui veut dire que le pays mettait en pile accent, en pile important sur l'institution électorale. Ils équipaient correctement urban et dans toute dimension que y a besoin ni et y a réformé y a installé un système électoral et y a l'esprit Brésil y a l'esprit l'Argentine qui sortit
dans la même dictature avec nous, Chili, et puis qui installait non seulement une institution, mais un système électoral. Saint-Domingue Feli, après problème qui était gagné dans les années 90, ce qui veut dire nous-mêmes, ici, nous refuser prendre direction ça. Moi, j'ai travaillé dans le premier conseil électoral provisoire qui était gagné en 1987. Mm-hmm. Et à l'époque, j'étais venu mettre devant, j'ai travaillé comme administrateur, comptable, j'étais mettre devant CNGA pour investir, pour acheter côté d'un laboratoire 4C sur Delmar. Et à l'époque, son building était offert pour vendre pour 2 millions de dollars. Et CNGA, pété coquin, il dit qui ça? Et CEP a compris pour prendre 2 millions de dollars pour investir dans l'affaire élection. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui ne comprennent pas qui ça? Une institution électorale vaut pour l'avènement, et pas l'avènement, pour nous chita démocratie, pour nous chita stabilité pays. Ça veut dire, pardon, monsieur Pont, ça veut dire que vous partagez l'approche des députés Lotula qui croient que c'est un dialogue qui vous bat dans un conseil électoral permanent ou soit. Je ne crois pas que c'est un dialogue. Moi-même, ça me mettait en avant, c'est que critériaux. C'est des critères de sélection qui fait que profil partisan monde qui en dedans institutionnel faut retirer tout profil partisan m'a vini là qu'on y a yo dit on va le faire conseil électoral permanent mais si exécutif là aller au choisi des profils de personnes partisans, moun qui lié avec des secteurs politiques, pas mal que y a problème. Mais si yo al chercher c'est peut-être ça me fin gen problème oui, avec parlement, procédure que l'employé et moins penser que yo ta capable aller chercher des profils de personnes ou comprendre que yo mette non poule. Et vous comprenez que tout le monde est d'accord que mon zayo et mon cher ou mettre 10 hôpitaux, yo pas affilié avec aucun secteur politique, yo pas yo fait preuve dans la communauté, mon cher, et on nous avance. Député Lotio, vous avez une réaction, alors vous avez une approche par rapport avec la façon M. Paul ouais. Bon, moi je pense que tout à l'heure, je te dis que c'est la constitution même qui créait l'institution qu'on appelle conseil électoral permanent, mais de les temps passés et jusqu'à aujourd'hui, nous expérimenté des conseils électoraux provisoires. Maintenant, la question est, est-ce qu'avec ces conseils, nous sommes capables de refaire destin pays? Encore, à cette question, je dis, je crois que non. Pourquoi? Parce que loi yo produit est véritablement des effets, c'est lorsque vous confronté à la réalité. Est-ce que là, notre réalité politique est telle que un conseil électoral, quelle que soit sa dénomination, est capable de faire de bons résultats? Je ne crois pas. Tu vois? Donc, moi, penser que le contexte n'a fait élection. J'en ai fait élection, objectif n'a poursuivre avec élection. Il n'y a pas tel que nous capables de servir avec eux pour mener le pays à un développement. Voilà. Tu vois? Donc c'est ainsi que pour ça qu'il y a un rapport avec le conseil électoral permanent dont on parle dans le jour ça, moi-même, moi crois que faut que nous t'affrontions camper là. N'a pas besoin de question ça, député, n'a pas besoin de souligner, mais avant nous arriver là, en regardant l'année 2009,
2008-2009, je crois, tu es sous gouvernance et défunt président Préval. Tu as un amendement constitution 87 là, qui peut retirer force collectivité territoriale de gain pour choisir et pour contribuer à choisir même conseil électoral. Qu'on a ces trois pouvoirs, exécutif et judiciaire, et... absolument, qui choisit mon yo. Est-ce que nous pensons que c'est la meilleure approche là vraiment? Et qui met une façon pour choisir même permanent au conseil électoral d'après nous, même en commençant avec ce pôle qui était commencé à porter tout à l'heure? Non, moi-même, je m'en désaccord avec le député Louture, parce que moi, je pensais effectivement que 9 membres du conseil électoral sont capables d'imprimer l'organisation de bonnes élections. Et ceci, et m'apprend un exemple, dernière élection qui fait qui fait dans le pays. Vous comprenez? Il y a deux mondes qui comprennent que pour y avoir une élection, il faut y avoir un monde dans le conseil. Et je crois que le dernier conseil, là, c'est ça le montrer. Ça le montre, que faut gagner mon endroit, ça va gagner mon endroit. Il montrait que et moun qui sont vainqueurs, qui sont vainqueurs dans l'élection, ce n'est pas moun véritablement qui était ou bien en alliance avec. Et deuxièmement, il montrait que même contestation, il n'y a pas qu'à camper sur rien. Moun qui voulait faire contestation, yo pa ka camper sur moi. Il yo pa ka véritablement venir avec aucun dossier. Vous comprenez? Donc moi crois que 9 membres conseil yo, dépendant de c'est question qu'on a qui j'ai autant de choisir, c'est là à qui j'ai autant de choisir. Oui. Moi-même moi pensais que est-ce que nous devons suivre la méthode qui est connue? Nous obligés de respecter la Constitution. Ce qui veut dire que il y a des gens qui prennent la rue qui ne veulent pas et que le Conseil électoral l'a formé. Pour qui ça? Parce que vous voulez que ces gens ne veulent pas levier ça dans le pays comme si des gens qui prennent faire élection pour eux. Un Conseil électoral n'est pas pour faire élection pour personne. Quel que soit. Et quelle que soit la force secteur politique, là, il n'y a pas pour le faire élection pour lui. Il n'y a pas pour le faire des élections pour le permettre que le peuple a exprimé lui. Donc, afin de comprendre que faut que les gens pour faire. Je crois que page ça, faut nous virer dans le pays. Député Lothur, c'est qui meilleure façon? Est-ce que c'est suivre Jean-Lié Kounye là ou est-ce que peut-être de une meilleure formule qui a vraiment. Qui bon pour le peuple là? Bon, moi je pense que nous liés par les dispositions constitutionnelles qui traitaient de la façon dont le conseil a dû monter. Nous avons les mains et les pieds liés. Nous obligés, tant que M. Paul Dil, respecter les dispositions constitutionnelles, même que, à mon sens, ce n'est pas façon idéale là. Parce que, dit Sauvelet, un conseil électoral, son institution démocratique, et qui lui-même tout doit concourir à mettre en place des institutions démocratiques, il faut le monter de manière démocratique. Et 9 membres, dont 3 doivent être choisis par un seul secteur, le secteur, l'exécutif, le pouvoir qui au pouvoir, qui a toujours voulu conserver le pouvoir. Absolument, absolument. C'est normal. Hein. La conservation du pouvoir, c'est l'aspiration légitime de tout le monde qui est au pouvoir. Monde, voilà, c'est normal. Donc moi-même, sincèrement, moi-même, j'ai beaucoup de réserves par rapport à la façon dont l'amendement constitutionnel vient tracer la procédure de montage-là. Donc moi, je pense que le Parlement étant un pouvoir foncièrement politique, l'exécutif également, et charger Mounzaïo pour désigner Moun qui pourrait faire l'élection auquel il pourrait participer, même penser que ce n'est pas une bonne chose. Mais de toute façon, la procédure étant tracée par la Constitution, comme je dis tout à l'heure, M. Paul Tédil, nous sommes obligés de respecter la Constitution. Alors, donc, nous sommes capables d'élever la voix pour que, autant que possible, ces acteurs-là, ils ont orienté le choix vers de Moun qui inspirait confiance. Et qui vient faire que le conseil inspire confiance. Parce que quel que soit le conseil électoral ou gagnant, les résultats des élections, quelque juste, quelque honnête, quelque crédible, étant donné que l'arbitre l'a contesté, résultat a contesté tout. Décision a contesté. C'est important pour que. Voilà. Oui, seconde réaction, M. Pote, le temps de poser la prochaine question. Non, réaction, c'est que pour contestation, il y a toujours une contestation. Oui.
on toujours des monde qui critique par rapport à un groupe monde, par rapport à tel profil monde, etc. La seule précaution que ni pouvoir exécutif là ni pouvoir législatif là doit prendre dans sélection monio, c'est que si on prend un profil un monde foncièrement partisan et qui montrait ça déjà, vous comprenez, il y a moun nan tête moi pas citer non yo, mais si c'est moun ça que choisi, il y a pral hypothéquer stabilité pays. Mais si yo prend des profils d'autres personnes qui montrer ça au capable fait déjà dans pays, mon cher, qui honnête, qui crédible. Est-ce qu'on monte ça? Oui, mais yo là dans conseil là, oui. Dans conseil ça là qui provisoire là, gagner un bon parti là-dedans qui monde qui crédible. Député l'auture ou bon, pas gagner ça. Non. OK, mais est-ce que vous pensez que les gain contentieux, les gain problème en élection soit résultat contesté pour conseil électoral là à la fois acteur, juge et parti en quelque sorte, pas juge dans la mesure où c'est lui qui peut juger contentieux ça, c'est dernière instance là. Or, c'est lui qui a organisé l'élection encore. Il n'y a pas aucun pouvoir en dehors de lui-même qui a dit écoutez, un, ou t'es fait, bon, regardez qui s'est passé. Est-ce que vous trouvez ça normal en conseil d'éviter l'autre? Bon, je pense que c'est très, très mauvais. C'est une très mauvaise conception. Parce que, toujours dit, les résultats, c'est résultat conseil électoral à bail. Ok? Et ces résultats qui font objet de contestation. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que c'est encore les membres du CEP qui vont être des juges pour connaître de ces contestations. Et là, je pense que là, il y a un petit problème. Que ce soit au niveau de la commune, au niveau à l'échelle départementale, ou pour les membres des BED, BEC, c'est encore des composantes de la machine électorale. La solution, c'est quoi, député Lothieu? Solution, moi, je pense que ne serait-ce qu'en dernier ressort, c'est à permettre, si nous sommes capables de renouer avec le temps passé où la Cour de cassation savait connaître en dernier ressort, tu vois, et de certaines décisions adoptées par des juridictions électorales à un plus bas niveau, tu vois. Et je pense que là, nous sommes capables de gagner des garanties, et ça présente certaines garanties, côté que ce n'est pas le Conseil électoral là. Et qui après le juger encore décision ou bien résultat que lui-même Monsieur Poulter. Bon, il y a une discussion qu'a fait sous l'IM, quoi que faut qu'on réforme du système électoral. C'est une raison qui fait que moi pensais que l'État bon pour nous former conseil électoral permanent qu'on y est, pour nous capables de gagner temps. Et vous comprenez, pour que dialogue capable de faire, discussion, débat capable de faire sur la réforme du système électoral. Et en la matière, il y a plusieurs modèles. Et modèles, ça existait dans d'autres pays. Et modèles que nous avons là, que nous critiquons comme un système qui est jugé parti. Il y a d'autres modèles dans le même pays, Amérique latine. Moi-même, moi pensais que c'est pour nous discuter, c'est pour nous débattre du sujet. La question, c'est est-ce que le contexte nous est, je ne vous dis là, favorable pour choisir membre permanent conseil électoral là, côté que nous connaissons que le président, nous connaissons qui j'en ai, ils font une quantité de voix qui, en pile, le monde dit, écoutez, c'est pour une élection présidentielle, quantité de voix, ça me fait 5 000 voix, c'est ça? 500 000 ou 5 000? 500 000 voix. Et, je dis 5 000 voix, c'est désolé, c'est 500 000 voix. Et puis, il y a un soupçon de corruption tout sous diverses institutions dans le pays, y compris le Parlement. Il y a un peu de monde qui a dit Parlement, député, sénateur, prend corps, député, prend corps. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment pour choisir, pour pencher sur la question du Conseil électoral? Alors, membre permanent dans le Conseil électoral, le Conseil des députés et l'autre, pour prendre M. Poulter. Bon, d'abord, moi-même, personnellement, moi, je ne suis pas pour. Et en conseil électoral permanent, je vous dis, pour plusieurs raisons. Et d'abord, je crois que Dieu comme faire, que ce n'est pas dénomination qui a bien fait rien dans le système électoral, non. Qui a bien fait de meilleures élections, non. Et la deuxième chose, je crois que
Conseil électoral permanent, c'est émanation de une bonne autre institution, tu vois. Par exemple, on prend le pouvoir judiciaire, on prend le parlement, on prend la présidente, l'exécutif, pour dire mieux. Maintenant, si institution ça, yo même, yo bancal, yo faible, dans jeune qu'on est, ça y a pas couché à tout. Nous qu'à imaginer ça le cas. Et puis la deuxième raison, c'est que me poser peut-être une question. Ce conseil électoral permanent que nous voulons faire, ça répond à quel besoin? Ça répond à quelle préoccupation? Naturellement, la Constitution prévoit, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais moi, je pense que faut que nous prenions le temps qu'il faut. Parce que le problème, ce n'est pas une question d'aller vite. Ce n'est pas ça. Si vous diagnostiquez le mal haïtien, le mal du pays, ou pas pour elle que il réside dans l'absence d'un conseil électoral permanent. Moi, je crois que faut que. Oui, nous gagnons un conseil électoral permanent, Jean Constitution en dit là, et dans la forme que le prescrit à tout, mais le moment ne s'y prête pas. D'ailleurs, au conseil électoral permanent, c'est une question d'intérêt national. Et parce qu'elles sont bagailles d'intérêt national, l'immander que gagne débat qui fait autour de lui, l'immander à ce que population exprime position par rapport à ça, les secteurs organisés de la société. D'ailleurs, dans le mode de désignation, des membres nous pas même bail aux places. Mais de, si nous pas bail aux places dans le mode de désignation des membres, et mais il va falloir que yo gagne possibilité, cette possibilité, ce temps est nécessaire pour que vous capable exprimer, ou faire valoir leur point de vue par rapport à orientation, façon dont nous t'adouer et celle-là. Monsieur Paul, très même question. Est-ce que vous pensez contexte ça favorable pour niveau étape choisir même permanent conseil électoral? Un pays fragile dans quoi Haïti, contexte ça pas jamais favorable. Si sa député l'autre dit, hein, c'est pour député yo, et sénateur yo, yo te gen courage puis yo fait débat yo à l'interne en dedans et institution parlementaire. Si vous avez fait débat depuis 3 mois, vous comprenez, je vous dis, vous êtes convaincu que c'est important pour nous comprendre, pour nous organiser l'élection dans 4 ans qu'après le fait, c'est depuis qu'on y a pour nous une instance électorale qui a réfléchi sur l'organisation de l'élection, qui a manié un dossier. Et que ce soit dossier et inscription électeur, que ce soit dossier et appel d'offres, que ce soit dossier qui scrutin que vous pouvez gagner, est-ce qu'il y a fait élection électronique, est-ce qu'il y a qui j'ai diminué, qui j'ai favorable, mais faut le faire quand même. Ah oui, non, mais faut faire institution électorale là, parce que si on pas fait li, n'a pas le prend au dernier moment un an avant organisation élection, et pour après le et bulletin c'est juste Dubaï pour l'imprimer yo. Et financement élection pas là, c'est étranger qui pral bail li et bec etc pap en place, c'est au dernier moment yo pral faire li pour faire formation pour faire etc. Donc l'organisation des élections non pays sont gros machines logistiques et opérationnelles qui pour mettre qui pral réaliser élection yo, et pour que élection ça yo capable organiser dans les meilleures conditions, c'est depuis qu'on y a pour yo établir toute instance et former toute instance qui pral faire élection. On va continuer la question, mais vraiment qu'on pose, mais question, la prochaine question, parce que éviter l'autre, il y a une possibilité pour le tour réagir après pose là, c'est qu'on est. Oui, M. Paul dit, quand ça pas bon, Kounia, mais il faut que nous fassions quand même. Pour même, ce n'est pas en question de faire le Kounia, c'est en question de. C'est surtout peut-être une perspective pour un dialogue, pour un débat, c'est après ça, je comprends tout à l'heure. Et nous parlerons de ça après pose là, mais on propose Kounia, on va tourner. Téléspectateurs et téléspectateurs, on va suivre Accord des Accords sur Télévision Pacifique. Nous proposons tout à l'heure pour nous continuer à réfléchir sur est-ce que le contexte est favorable qu'on a pour nous établir un conseil électoral, pour nous choisir un membre permanent en un conseil électoral. Restez branchés, nous attendons un petit moment.
On va suivre accord des accords sur télévision Pacifique. Josiane Amgadé, est-ce que contexte nous est journée aujourd'hui à manifestation, gain soupçon corruption sur diverses institutions de pays à est-ce qu'elle est favorable pour nous choisir membre permanent dans le conseil électoral là pendant que nous connaissons le conseil électoral son institution permanente qui est dans la constitution déjà pour nous parler de ça avec nous monsieur Edouard Paul qui t'a dit avant posa que même quand contre ça pas favorable les bigu la pas jamais favorable parce que Haïti son pays crise mais gain débuté l'autre qui là avec nous qui dit que écoutez c'est pas une question de choisir, moi, c'est pas une question de partir devant, c'est surtout un dialogue qui doit faire avancer ça depuis l'autre. Absolument. Si vous prenez l'article 194 de la Constitution qui traite de la durée du mandat des conseillers, et il dit que le conseil est là pour 9 ans. Et pendant ces 9 ans, ses membres sont inamovible, c'est-à-dire l'inamovibilité qui garantit l'indépendance, il n'y a pas aucun problème avec du tout. Mais, c'est-à-dire l'inamovibilité des membres du conseil électoral, il n'y a pas suffi, ils ont joui tout de ça, ils sont capables de l'immunité de juridiction, c'est-à-dire ou pas justiciable de tribunal de droit commun. Oh là là. Donc, cela dit, dans un pays comme Haïti, un pays côté que institution yo plus que faible la haute cour de justice nous seulement l'île dans constitution hein? Et mais vraiment au monde est-ce que contexte ça yo non dans l'état actuel de la faiblesse des institutions en Haïti est-ce qu'on capable de prendre le risque de mettre en place un conseil avec entre guillemets, des gaillots de Saint-Ville dont le mandat est de 9 ans. Donc, ce serait dire s'engager dans une voie sans issue, et je pourrais dire même irréversiblement. Monsieur Paul, tu dis moi, je pense que un gros risque. Parce que qui s'est passé? Le risque est là, tout autant que les politiques fourrent meilleur. Parce que M. Gaillot de Saint-Ville, dont vous parlez, M. Gaillot de Saint-Ville, M. Préval, fourré mail pour l'Alpin Gaillot de Saint-Ville. J'allais dire que M. Préval, et quand que il le fait à dessein, parce que là, le chercher, ses profils, ça a le besoin. Oui. J'allais dire que, de toute façon, l'institution a toujours constitué de monde naturellement faible, naturellement enclin au désordre. Mais dans les autres pays, il y a la loi comme rempart. D'accord? Nous pas qu'à seulement miser sur le caractère apparent que on haïtien ou haïtienne montre une bonne certain temps. Il faut au-delà de tout ça qu'il y ait la loi et les institutions comme rempart. Si m'pa gen la loi en face du conseiller, m'pa gen la chambre des députés qui peut mettre en accusation, m'pa gen la haute cour de justice sur lesquels je peux compter, donc ça veut dire ça, on court un risque. C'est ça que fait me dit au départ, le conseil électoral permanent est inconstitutionnel, pas gain débat, mais cependant, n'a pas regardé est-ce que nous capable appliquer ça dans le contexte haïtien parce que ça relève de la démocratie, mais écoutez, la démocratie, on ne peut pas la mettre en place démocratiquement. Moi, je pense que Monsieur le député Loutio, pourquoi ça ne va pas faire débat dans le Parlement? Ah, mais écoutez, moi, je suis un député. Ah non, au moins, évitez les secteurs à vous rencontrer, ou reprendre pour nous débattre de questions. Nous pas capables de gagner un mandat constitutionnel pour nous choisir et puis pour nous quitter des politiques à l'intérieur de l'institution. Ou reprendre font un coup en avant. Il faut que nous capables, ou reprendre exiger que l'institution parlementaire engagée on débat, on discussion sur la question. Parce que ça, ou pas capable d'expliquer personne dans l'opinion publique que nous pas de chance de faire débat ça. Nous pas capable de dire ça. Oui, mais moi, que vous connaissez aussi bien que moi-même, M. Ralph, que au Parlement, c'est la loi de la majorité qui prévaut. Et cette loi, cette règle n'a qu'une seule exception,
capable gain deux trois et monde qui de mauvaises loi en bas et puis ont traité tout quoi même gens c'est l'exception que ça admet donc on est là c'est la loi de la majorité là nouveau. Là il faut donc, ça veut dire que ça la voix singulière du député Lothieu faut faire un devoir c'est ce que nous avons montré alors qu'ils en nous comprennent opération équipement qui gagne écoulé là pour choisir membre permanent conseil étoile nous gagne qui je ne comprends opération équipement et qui dernière information gagne sur le temps conseil monsieur Paul. Non, pas une dernière information. Seule information que je suis capable de dire publiquement, et il y a peut-être 10 jours, une semaine, que nous avons rencontré avec le président de la République, là, M. Jovenel Moïse. Et il était dit nous que il a demandé candidature exécutif là. Pral mande candidature, même Jean Parlement Ferli, li pral mande ouvrir candidature pour li recevoir moun qui voulait postuler pour représenter l'exécutif au Conseil électoral. Donc, maintenant, et c'est seule information que m'gen. Maintenant, et la justice avec institution parlementaire, yo getan fin boucle et inscription par yo, qu'on y en a tant que yo voye représentant yo bay exécutif. Qui j'en comprends l'opération, déjà, chaque moun appelant cette invitation par bon côté par yo, et puis bon. Pour aller faire un service, un groupe qui fait un service pour un pays, pour tout un pays. Ça me capable, ouais, c'est que l'institution parlementaire là m'a demandé est-ce que l'ITF prend soin pour lui chercher comme parce que même lorsque on a fait un appel à candidature et il faut qu'on cherche quelques monde oui pour intéresser, venir inscrire ou comprendre. De fait, quelqu'un monde qui pas forcément qui pas parler au grand public, mon monde de particularité. Qui au monde en particulier qu'on pense qui gagne connaissance du système électoral, qui gagne habileté pour capacité pour l'y organiser et puis indépendance tout. Parce que ouais, élection ou pas pour faire élection pour personne. C'est ça pour mettre en tête que ou non position de conseil électoral, il n'y a pas mandé pour le faire et organiser l'élection pour personne. Député Lothieu, qui j'en comprends l'opération hein, et qui donne information même vous gagne sur ça? Bon, et l'information, c'est que les trois acteurs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ils ont lancé le processus d'appel à la candidature. Il y a une pile manifestation d'intention qui est déjà exprimée, que ce soit bon côté parlement, que ce soit bon côté pouvoir judiciaire. Là. Et je pense que il y a une pile consultation qui a fait de manière très restreinte pour que il y ait des gens qui. Pour que finalement on soit capable de retenir. De monde qui pour faire partie de conseil là et qui j'aime comprendre que c'est un processus qui est très opaque comme je dis déjà et une transparence qui te doit résulter de débat c'est-à-dire la nation devrait s'approprier de la question m'attend que un relais fait dans les médias un débat fait dans les universités gagner un parti politique qui ont été impliqué, lors même que la Constitution réservait aux trois pouvoirs cette prérogative de désigner, mais vraiment, je m'attendais à ce que. Au moins au Parlement, tu as le bon débat. Mais non, mais écoutez, c'est un bagage. C'est société qui a été appropriée de ça. Est-ce que société civile a eu un bon bail qui a fait dans ça à tout le monde? Mais absolument. À part maintenant, je dis, là, on a parlé de perspective d'amendement de la Constitution. Il y a une commission parlementaire qui s'en charge et. Il ouvrit ça à l'ensemble des citoyens, l'ensemble des secteurs, recueillir les points de vue, etc., etc. Même parce que le Conseil électoral permanent, il présentait d'autant plus d'enjeux que ça. Je pensais que c'était doit être le cas. Et qui voit la société civile là, parce qu'elle a joué là, vraiment là, et contribuer à choisir meilleur mounio pour jouer bon rôle ça. Bon, qui wall nous-mêmes et moi quoi que ni exécutif là ni législatif y a eu intérêt
vin puiser ressources ça yon dans société civile là. c'est m'a dit parce que ouais moi même m'a observer l'élection, j'étais dans conseil électoral, premier conseil électoral version 87 là, ça a été écrasé dans Ruel Vaillant, j'étais là-dedans. Vous comprenez ce qui veut dire que le système électoral pas gagné mais il faut aller chercher ces personnalités ou mandé yo pour yo participer ou mandé yo pour yo venir inscrire ou mandé yo ou di yo que ou garanti indépendance yo ou garanti parce que ou est particularité haïtienne nan c'est que gade réaction au monde tant kou Moïse Jean-Charles gagné sous affaire et formation conseil électoral permanent il est très sceptique parce que pour lui-même et conseil électoral là il est là pour faire pour organiser élection pour au monde mais c'est vraiment est-ce que c'est pas ça député l'autre jour est-ce que c'est pas parce que l'électorat opaque comme opération comme processus côté que parce que question qui je dernière information gagné c'est pour qui côté qui monde qui est inscrit qui monte tel secteur choisi ou ça me dit là pour que ça c'est monde qui choisit non mais monde qui inscrit par exemple et dans pouvoir judiciaire là publié non yo monde qui inscrit pour dans pouvoir législatif là yo publié non yo vous comprenez et la seule chose qui est que moi-même moi regrette bon me dit moi regrette et par contre s'il fait et moi penser que s'il fait c'est pour Yodil il faut que pouvoir parlementaire là en tout cas bureau yo aller chercher des monde ou comprendre qui répondent à un certain nombre de profils à un certain profil qui yo croit qui capable aider et ceci exécutif là pour qu'on fasse mais c'est exécutif là gain en tête li pour désigner des monde qui bon profil au moins d'indépendance et de capacité moins quoi que c'est pour y demander personnalité ça yo et si yo ka vinn poser candidature député l'autre est-ce que quoi que c'est consultant qui meilleure façon d'avoir même pour choisir monde ça est-ce que c'est à joindre aux gens monsieur pour dire chercher yo même quand ou lance un appel à candidature ouverte moi chercher monde ça quand même est-ce que c'est meilleure méthode là bon moi je pense que et méthode de M. Poultre avancée, parce que au contraire que ça passe, certaines fois, les gens qui plus un profil qui répond à besoin, le plus souvent, ils sont très réservés. Donc c'est là que ça le dit à les fonder, parce que certaines fois, les gens qui ont un profil, ils sont très réservés et ils doivent aller à sa rencontre. Donc c'est ça que je comprends. Non, ça le dit, et c'est bon. Il est vrai, moi-même, moi, toujours appuyé que démocratiquement, il y a recevoir Ou bon, dossier. Mon manifeste. Ou bon, laisse ça, il y a un critère, une sélection que vous faites, qui est capable de transparent, qui est capable. Moi, quoi que, pour, quand même, et procédure et processus qui lancé dans le Parlement. Moi, quoi que, pas quoi même avec député et l'autre, que son bagage qui est opaque et complètement. Vous comprenez? Moi, quoi alors, pourquoi l'opaque, mais pas complètement? Pas complètement. Moi, quoi que mais l'opaque quand même. Bon, écoutez, les critères de sélection. For you by you. Absolument, c'est la question. Par exemple, c'est la prochaine question. Exemple, qui critère de sélection qui t'a donné gain? Par exemple, sous dossier, et sous dossier Mounio, vous comprenez? Sous diplôme, sous formation, et vous êtes capable, par exemple, on moun qui fait droit. Ou comprendre qui fait droit. T'as qu'au début de l'autre. La bien. Ou comprendre sous formation académique mounan et y a bay tant point. Donc faut qu'on des critères qui établit qui dit
après rapport là ou capable ouais que tel monde qui sous profil il gain tel point tel monde sous capacité et sous résultat et sous expérience de travail il fait tel point tel monde sous question intégrité voilà. Sous question etc il fait tel point ça veut dire c'est pour critère pas pour faut gagner une échelle échelle qui pour évaluer chaque candidature et éviter l'autre chose penser de ça. Bon, aucun objectif. Alors, il y a une série membre permanent de ton conseil là. Est-ce que ça a une priorité gouvernement, je ne j'ai dit. Député Lotu. Alors, il y a une série membre pour choisir membre pour. Alors, pour un propos exécutif là, mais c'est arriver, mettre ton conseil électoral permanent. Alors, membre permanent de ton conseil électoral, je veux dire, est-ce que ça a une priorité gouvernement vraiment? Député Lotu. Tout à l'heure, je te dis, n'a fait un conseil électoral permanent. Ça répond à quel besoin, à quelle préoccupation. Il n'y a pas le besoin. D'après. C'est une question. Ça répond à quel besoin, ça répond à quelle préoccupation. À un niveau, d'accord pour que gagner une institution électorale qui jouit de une stabilité suffisante, un temps suffisant qui balle occasion réfléchir sous un bon aspect de la réforme électorale. À ce niveau, je suis d'accord que gagner en institution électorale qu'il a, qui gagne temps pour pencher sous problème scrutin, sous problème et fabrication des bulletins, bulletins de contentieux électoral, etc., etc. Bien entendu, faut que nous pas improviser avec institution pour qu'il y le temps pour faire ça. Mm-hmm. À ce niveau, Franck Lotulle est d'accord pour que vous institution électorale. Maintenant, est-ce que vous devez le permanent ou provisoire? Ça importe peu. Ce n'est pas dénomination hein, qui va déterminer le résultat conseil après le bail. L'indépendance dont le conseiller a besoin pour délivrer les fonctions de contexte dans lequel il choisit là. C'est-à-dire, il est capable de arriver au conseil avec la meilleure volonté au monde, il est capable de arriver au conseil avec en étant un homme ou une femme de caractère, mais placé dans ce contexte, il est capable pas mal résultat attendu. Mm-hmm. Maintenant, alors, cela dit. Je parle tant le temps, oui, vous nous avez un approche, monsieur, pour le temps avant que vous me posez la dernière question. Oui. Donc, cela dit, je crois que pas gagner urgence. Bon, moi-même, je pense qu'il y a plus urgence pour la Cour constitutionnelle. Encore une création des amendements constitutionnels de 2011. Mm-hmm. Nous sommes assistés la dernière fois, le président prend un arrêté avec effet rétroactif en ce qui concerne les amendements, en ce qui concerne les privilèges accordés aux anciens chefs d'État. Les amendements constitutionnels, ils prévoient la Cour constitutionnelle compétente pour connaître de la constitutionnalité des normes, et ceci, a priori, c'est-à-dire pareil arrêté, serait déclaré inconstitutionnel avant même qu'elle commence à produire des effets. Donc cela dit, dans un régime démocratique, dans un état de droit, l'institution ça a une importance capitale et que nous sommes capables d'avancer vers lui. Mais je dis, on a parlé du conseil électoral permanent, moins dit, le conseil électoral permanent ne doit pas être pour les dirigeants une fin, mais un moyen d'atteindre des objectifs de développement, c'est-à-dire un moyen. Et tu vois, donc ça veut dire que nous baillons tête nous des objectifs de développement de ce pays en passant par le canal des élections. Et comme faut nous avons une institution électorale qui réalise les, mais pour nous aller vers de bonnes élections, nous devons avoir une institution électorale qui inspire confiance, qui est capable. Et pour ce faire, nous devons engager un dialogue qui va permettre que tout secteur, même ça que tu as pris le contester, nous impliquer. C'est un processus intégré qui ban nous au conseil électoral, mais nous, même si c'est moun kap la dan, c'est-à-dire naturellement désordre, naturellement au désordre, mais quand même, étant donné que le résultat d'un processus intégré l'a fait objet de moins contestation et le ça n'a qu'à aller mieux vers la stabilité. Monsieur Paul, une réaction sur ça? Non, mais ni qu'au constitutionnel là,
on responsable d'État pas capable de dire qui institution que le besoin fait. La Constitution dit qu'une institution qui pour garantir stabilité pays. La Cour constitutionnelle, lui doit garantir et stabilité dans pays en même temps que le Conseil électoral permanent. Il n'est pas capable de décider qui le pour faire. C'est pour yo faire ou reprendre selon prescrit constitutionnel yo, et que ceci quel que soit gouvernement qui en place ça. OK, pas de réaction député l'autre. Réaction. Tout à l'heure me dit Constitution, nous elle tant qu'on loi. La produit les effets attendus lorsque le confronté avec la réalité. Ou pas qu'on réalise que il y a des dispositions de loi ou de constitution qui se révèlent inapplicables. Ou bien s'ils sont appliqués dans la réalité que nous gagnons, là-bas, tu problème. Ça veut dire qui ça? Constitution gain doit prévoir. Nous sommes d'accord que le prévoir. Maintenant, est-ce que confronté disposition constitutionnelle avec notre réalité, est-ce qu'elle dit que nous allons aller vite? Est-ce qu'elle dit que nous allons précipiter? Non. Tu vois? Sur ce plan, député, c'est le même genre. Et Parlement en place. On citoyen haïtien t'a capable briter et puis pour le dire ah parlement pas quoi important. Ah mais bien sûr, le même parlement pas quoi important, chambre députée pas quoi important, sénat pas quoi important. Ce qui veut dire que ou gagne seulement un exécutif avec un judiciaire qui là. La constitution personne pas gain droit dit qui est-ce qui est important, qui est-ce qui pas important. Qui est-ce qui contexte ça? Alors, il faut admettre que depuis la Constitution de 1987, nous choisissons pour nous faire ça nous voulait. Vous comprenez? Constitution dit pour nous faire KAZEK, pour nous faire AZEK, pour nous faire Assemblée municipale, pour nous faire Conseil d'État. Nous décider. Vous comprenez? Nous décider. Nous pas non. Dirigeants yo décidé bay sa yo vle à la population alors que la constitution a une autre perspective. Dernière question, mais après c'est fait le picot s'il te plaît parce que tu l'es arrivé. Qui chance qui gagne pour une fois au conseil électoral sans force côté jeune jodi à là on commence avec député Lotu pour une première épaule et puis également le mot de la fin par rapport à l'émission ça. Qui chance qui gagne jeune jodi pour une fois au conseil électoral qui sans force côté et puis on profite faire le mot de la fin parce que c'est le temps. Chance qui gagne pour nous faire conseil électoral sans force côté dépend de temps que nous mettons pour ça et il dépend de mécanismes qui nous mettent en alors, place. Alors, par rapport à l'opération qui est là pour choisir mon nom. Absolument. Il y a chance qui vient pour nous faire un conseil électoral, sans fausse côté. Il dépend de temps que nous mettons pour ça. Il dépend de qui mécanisme tout nous adopter qui pour aboutir à conseil. D'accord? Et au-delà de tout ça, l'olfin met en place. Résultat, il dépend de des facteurs qui puis transversal toujours. Ou pas capable de gagner deux institutions qui pas limitées par la loi. Nous pas capable de gagner un conseil électoral avec des conseillers intouchables, avec des conseillers qui pas limités par aucune loi, qui jouit de immunité, qui pas gagner ni parlement comme institution comme rempart, pas gagner ni la loi comme rempart, pas gagner constitution comme rempart. Le maître seigneur. Ça veut dire qui ça ou te mettre neuf Jésus de Nazareth là-dedans ou capable étonner ouais que d'ailleurs nous fait expérience depuis 87 n'a gagné conseil électoral. D'accord? Mais dans et les résultats avec des haïtiens que certaines fois qu'on présentait comme crédible mais vraiment placé dans ce contexte et cela dit nous pas qu'à précipiter. Monsieur Paul, qui chance gagne pour le conseil électoral dans la période nous là par rapport à Jean-Opération à Fedla qui s'en fait ce côté? Bon, c'est capacité, moun qui a décidé pour y avoir intérêt pays, on va intérêt sectoriel, intérêt personnel. Yo. Et moi d'accord en partie avec le député Lotu, mais malheureusement, Parlement pas jamais payé en loi électorale. Vous comprenez? Exécutif là, c'est le cadet de ses soucis, il pas jamais. Vous comprenez? Alors que les élections, al gade Saint-Domingue, al gade dans tout pays Amérique latine, yo bay importance
à l'organisation des élections et de leur système électoral et de monde qui a organisé l'élection. Mais malheureusement, nos dirigeants, ce n'est pas leur souci. Député Lokjo, merci infiniment parce que vous êtes là avec nous pour vraiment échanger, qui vous pouvez aider à comprendre la situation mieux. Même approche là pour M. Paul, merci parce que vous êtes là avec nous. Vraiment, idiot, c'est très important. J'espère que téléspectateurs sont satisfaits de l'échange avec les gens à l'accord des accords de jeudi. Nous avons été branchés à la télévision passée pour suivre cette programmation. C'est là, accord des accords, bout pour jeudi. Bye bye.